D'abord, elle a sauté comme j'avais vu une grenouille sauter, une grenouille rousse par exemple. Elle a sauté énormément. Et en plus, sauter de l'eau au milieu d'un torrent, pas comme ça, sur un torrent qui vraiment coulait à fort avec une cascade énorme. Donc tout ça m'a frappé parce que normalement j'avais vu des milliers de grenouilles, mais une grenouille comme celle-là, jamais. Quand on regarde la répartition, on a presque tout compris, c'est-à-dire que c'est une espèce endémique des Pyrénées, même je dirais de l'ouest des Pyrénées, qui est présente dans le monde, nulle part ailleurs que dans cette toute petite portion des Pyrénées. Trois ans après sa découverte, Jordi Serracobo confirme enfin son hypothèse. Cette grenouille n'est semblable à aucune autre dans le monde. C'est une nouvelle espèce, à laquelle il donne le nom de Rana pyrénaïca.